Yo l'équipe, on se retrouve pour une petite vidéo du Toon aujourd'hui, le Renek Toon de la top lane. J'espère que ça va vous faire plaisir. On est reparti, on reprend les vidéos à foison. 3 vidéos par semaine comme d'habitude. On est parti donc contre une Irelia Ignite en top lane. Ça va être compliqué, on continue notre rush bien évidemment. Et aujourd'hui c'est vidéo bonheur, vidéo Renek Toon. J'adore ce perso, en plus j'ai le skin du mondial. C'est incroyable. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel est votre favori à vous pour le mondial en cours, les gars. Moi, je suis toutes les games personnellement et j'espère que vous vous régalez de ce poulet également avec ce nouveau format des Swiss Rounds. Allez, pas sur la lane au top. Qu'est-ce qu'il est beau, ce croco. J'ai la Irelia qui est sous sa tour. La Irelia qui est sous sa tour, on va... juste faire ça au CS. Elle a start au E là, j'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé, elle a vraiment start au E dans le match-up. Je joue pas trop Irelia, mais ça me paraît quand même bizarre. Elle a pas l'air décidée à farm. Hein. Bah tant pis pour elle. Je suis stack en rage, mais quand même. Ton petit coup de démolition hein, si elle veut pas prendre CCS. On lui met un bon trade, hein, malgré tout. Il n'a plus de CD, mais on lui a mis un très bon trade. Le Lee Sin est potentiellement top. Hein. Je m'en doute, donc... voilà. J'ai l'air de mon double dash. Le slice and dice, les gars. Après, elle a plus de mana, en vrai. Ça veut me dive. Je vais baiser sa daronne. Par contre, vas-y, c'est trop une folie. Elle me tue juste à l'ignite là, vraiment. Oh là là. J'aurais pu juste me barrer back TP. Je voulais pas perdre ma wave, my bad. Normalement c'est une plate, du coup flash Lee Sin, flash ignite, ils ont tout claqué sur moi, c'est bon à savoir. Par contre, c'est une folie son personnage, faut le dire. Le Toon dans la débâcle. Non, par contre, tu dégages. Le Toon ne se laisse pas faire. Le Toon ne se laisse sûrement pas faire. Ok, s'il décale pas, je prends la plate. Voilà. Très très cringe la Diana hein, sur ce move. J'aurais préféré pas voir ce que j'ai vu bot, mais bon. Voilà ma grande.
La Diana qui est là au bon timing. On va continuer à massacrer cette top lane. Mais je sais que t'as pas d'air. Voilà. Le Toon-Toon. Le Toon-Toon qui fait des siennes dans cette game. Un peu compliqué leur early game, mais on s'en sort tranquillement au final. Je laisse perdre le gros CS avant de prendre ça. Ok, on met une bonne pression mid. Je tank tout pour eux, y a pas de souci. Allez, dégage de là, frère. Oh bah alors là, si j'ai pas slay la game sur ce passage mid, je sais pas ce que j'ai fait, mais bon. Voilà, on prend tout. Merci Diana. Avec l'Ignite c'était compliqué sinon. On a une duo de baisers avec ma pote Yana. Elle a solo bolo 2-1 si elle a le R. Elle me fait pas de dégâts, frère. Allez slay, un maximum en un minimum de temps. On va faire un petit peu de dégâts. On a juste fait rendant parce qu'ils sont full AD, que l'item est trop OP, il est pas cher et il donne full stat qu'on veut. On a déjà bloqué 676 dégâts avec cet item. On save step le stun pour le plaisir des yeux, hein. On n'avait pas trop peur en vrai. On commence à assiéger cette T2 bien comme il faut. On a start la game en 1-2, on est en 8-2-5, bon, je
pense qu'on a fait notre job. Voilà, on vient faire peur. Je lui mets tout, je tanque la tour, les amis, ne vous en faites pas. On va aller défendre ça. Sterak into Dance Death, on va être unkillable. Ouais, même sans moi, ils sont en train de les ratio. Voilà, il était temps de venir m'aider. Oh, j'ai failli un ou deux sorts. Mais bon, c'était quand même temps de venir m'aider, quoi. Les shields de Lulu, je peux pas mourir en fait. Bon, ils touchent pas leur sort, dommage. J'ai envie de la fight, allez. Voilà. J'aime de chess pendant le kill, il y a 40 à 15. Il est temps de finir cette game. Toon danseur, le Toon triompheur, le Toon du siècle était là dans cette game pour vous les amis. J'espère que vous avez vu le plein potentiel du champion qui était là clairement pour éteindre. Merci d'avoir visionné cette vidéo en tout cas les frères. J'espère qu'elle vous aura plu comme je viens de le dire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous les gars. Soutenez-moi pour m'aider à gravir les sommets et qu'on les gravisse surtout ensemble, c'est le but. Donc sur ce, eh ben, je reviens très prochainement avec un petit tuto express pour vous les refs. Et surtout on va revenir avec du gameplay de qualité et très très haut niveau, je vous promets. Des bisous et à très vite.